Bon, vas-y. Je vais la mélanger. Tu fais ça? Et parce que pour qu'elle soit un peu plus facile à tartiner, parce que sinon. Enfin, le connaisseur, les gars. Bah ouais. Tu prends un bail Thomas. Mettre la même dose en pâte. Tu en mets un peu plus? C'est hyper chiant à doser ça. Faut une cuillère avec ou. Comme ça, genre? Non, un peu plus quand même. Le beurre, ça va prendre le dessus. C'est juste, en gros, c'est juste pour la texture, si tu veux. Et après, faut que tu goûtes. Comme ça. Ouais, vas-y. Tu mélanges avec ta petite cuillère et tu me dis ce que t'en penses du goût. Maman. Voilà, c'est une version test, hein. Si c'est une dinguerie, tu mets ça en ganache. Puis à l'intérieur, tu mets ton biscuit. Je mets mon biscuit à l'intérieur. Casse les couilles. Voilà. Ça l'a fait sentir plus fort déjà. Je goûte. Ouais, tu goûtes. A few moments later. Oh, ça passe. Il m'a ça dit se fait ça. avec, non? Non, ça c'est la moitié d'une plaquette en gros. Allez. Moitié d'une plaquette pour faire la ganache d'une bûche. Parce qu'après, il faut que ça enroule toute la bûche. Et mine de rien, les gars, c'est balèze une bûche. Vas-y, tu peux y aller. Du coup, je sais pas trop comment doser. Bah, tu vas à l'œil, hein. Tu vas franco et puis tu mélanges. Je sais pas s'il y en a dans les commentaires, dites-moi. Si vous connaissez le pain beurre Nutella, les tartines là. Alors vous faites un sandwich à côté beurre, à côté Nutella. De préférence du Saint-Hubert, genre, parce que c'est tout mou et étalé, ça se mélange mieux. Les gars, je vous promets, c'est une singerie. Hein. Ça rend bien ton truc ou quoi? Ouais, ça a l'air. Si vous voulez voir, moi la mienne, ça m'a assez un peu. Attends, ça va pas faire le focus. Pourquoi ça va pas faire le focus? Oh, je suis là moi! Ok, voilà, bon, ça ressemble à ça quoi. Ça fait des petites. Si, il y avait des paillettes dedans. C'est le beurre qui fait ça en fait. Dans tous les cas, vous pourrez pas les enlever. C'est stylé. Je sors ma confiture, les gars, parce qu'à l'intérieur. Moi, à l'intérieur de la mienne, je mets de la confiture de fraises de chez Andrew. C'est pas ce qu'on dessous, mais c'est la meilleure donc voilà. C'est sûr qu'elle est assez cuite. C'est un test. Carrément, elle sera même pas assez cuite, ça se trouve. Faut qu'elle soit dorée dessus, tout qu'elle est dorée. Non. Non. Alors l'autre. Faut que je la retourne. 3, 2. Faut pas mettre le torchon par-dessus. 1. Ah non, il y a déjà celui-là. C'est là. Ok. Parce qu'ici, c'est beau. On est pas trop mal. Commence par la tienne ou par la mienne? Bah vas-y la tienne hein. De toute façon je pense que je vais sortir la mienne. Donc certes. Je sais pas si elle... Un peu... Ah, elle est différente hein, on dirait celle-là. T'as vu? Peut-être qu'elle est plus consistante. Ouais, celle-là on n'aura pas de problème à la plier. Hein. Ok, vas-y je t'en prie, fais la tienne. Comment ça, faut que je garnisse de ça? Non, tu ganaches de ça. Ah. Essaye de faire assez vite parce que plus qu'elle refroidit, plus elle se régale à. Faut que j'en mette partout, on est d'accord. Faut que tu étales ouais, toute ta longueur. Ok, là, allez, let's go. Boulou roulage. Ok. Donc là, faut que je l'enroule. Là, faut là, que tu... là, c'est le moment où faut que ce soit mieux que la dernière fois. Quoi. Là, c'est le moment tant attendu. J'y crois. Par contre, faut que tu aies d'une traite. Hein. J'y crois pas trop. Hein. Si t'attends, après, c'est baiser. C'est un rouleau. Faut faire... On est censé faire un rouleau, c'est ça? Ouais, un rouleau. Normal, c'est normal, c'est normal. Vas-y. Elle va coller au torchon, c'est normal. Ça me fait peur, j'ai l'impression de la trouer du coup. Non, non, c'est juste qu'elle va coller au torchon. C'est normal, hein. Ouais, c'est normal. Allez. Mais c'est trop dur de faire le. De faire le premier truc là. Ah, faut bah, attends, faut qu'elle soit elle, vachement elle, décollée. En fait. Mais oui, elle est trop collée. Attends, merde. C'est voilà, le torchon qui la défonce. Attends. Mais non, mais c'est mort. C'est trop chiant. On a l'habitude des bûches ratées. Mec, mais regarde ça. Moi, je dis c'est à cause de ton torchon, il est nul.
c'est un petit peu mieux du coup. Voilà, bon, je suis au bord du gouffre. Ah genre maintenant faut que je prenne tout et que j'arrive à l'apporter. Là, t'as pas trop le choix. Tu l'as ? Je l'ai. Vas-y, pose. Oh le beau bébé. Sinon le plus worst, je garde ça. Le papier ouais. Ah non, elle est collée aussi au papier. On va dire. Hey, bonne chance. D'abord faut que tu la retournes. Je crois que celle-là en fait elle est même pas assez cuite. Tes mains. Elle est pas assez cuite la mienne. Tu vois la tienne elle est trop cuite et la mienne elle est pas assez cuite. Allume le four. Alors on revient. D'explose. Ah oh non, ta gueule. Quoi? Après, c'est la colle au papier. Elle colle carrément au papier maintenant. Non, ouais. Elle est délicatement. C'est soit ça passe, soit ça casse. Bon, moi, du coup, confiture Andros. Connais. C'est facile à étaler ça. Voilà. Moi, je pense que je peux sauver l'honneur, les gars. Ouais, ouais, fait par là-bas, c'était pas trop mal quand même. Ça a quand même collé. Ah ouais, mais non, mais toi, t'as ton. Ça a quand même collé. Ça a quand même collé. Mais non. Mec, je te jure. Prends, j'ai vu, t'avais une spatule. Pour la décoller. Mais il faut une truelle, mec, pour la décoller. Prends ça, là. C'est impossible. Elle... Non, mais gros, quand je te dis qu'elle est collée, elle est pas assez cuite. Mec, fais là mes doigts. Non, mais c'est pas assez cuit. C'est juste pas assez cuit. Oh, ça me gonfle. Mais comment ça se fait qu'on a trop cuit la dernière fois? Mec, on a fait la même. Ah oui, elle est vachement. Non, mais. Vas-y, ça me saoule. Ça me casse, t'es con. Mais gros, comment veux-tu décoller ça? Elle est pas assez cuite. T'es mal massé. Oh non. Allez. Non. Mais non, mais je peux rien faire. Mec, je peux rien faire. Mais non, mais tu gelettes pas, hein, tu le manges. Mais je peux pas, c'est pas cuit, gros. Mais mec, non! Bon, allez hop. Théma. Ma bûche. Mec, c'est pas normal, gros, j'ai tout suivi! Pourquoi elle est pas cuite? Pourquoi elle est pas cuite? Ah, gros. Ah, tu l'as remis au micro, ça passe. Mais non, mais gros, c'est pas possible! Oh le gaspillage! Tadam! Voici la bûche! Mais non, non, mais qu'on dirait du vomi quoi! Mais non, mais elle est pas cuite, elle est juste pas cuite! C'est pas normal! Mais non, c'est pas normal! Gros, je comprends pas! J'ai fait. Mais d'accord, on a fait le même grammage! On a fait. Mais non, le mais même là, temps de cuisson! T'as le même four qu'il y a 3 ans? Bah oui! La tienne, ça passe! La mienne, elle est pas cuite. Mais ça passe tout juste. Et toi, elle est pas du tout pareille. Attendez, mais ça. Les gars, guettez la gueule de la bûche. Et vu comment c'est liquide, c'était pas assez cuit. Oh putain. Ah la dingue. Mec, le carnage. Du coup, on fait comment? Tu t'as pas quoi en refaire? Bah, je sais pas, il nous reste combien de grammes de fécule? Bah c'était surtout les œufs là non? Bah du coup il me faudra des œufs. 6 œufs. Il en faut 6. Et la fécule, je sais plus où je l'ai rangée. C'est une boîte rouge, je ne l'en veux plus. Ah là. Il en faut combien sans la recette? 80. 80 en fait. Bon, on avait 80 grammes maintenant, non? Bah pèse ton pot. Ah bah attends, on avait combien dans le pot? A few moments later. En gros, il me manquerait juste 6 œufs et on se retape une bûche. On va chercher les œufs. Bah ouais, moi je vois, parce que. Faut faire tout de suite pour que là on refasse. Voilà, Chebest, n'hésite pas à me DM. J'ai un serveur Discord. Non, mais c'est pas assez cuit. J'ai même pas envie de le manger, c'est pas mangeable. Bah non, le BR, en même temps, de la façon dont tu l'as. Mec, ça m'a énervé. Non, mais t'es mort. Ça, à laver. En vrai, par contre, nettoie tout de suite. Non, mais on va nettoyer. Enfin, d'abord, mets un coup de. Bon, les gras. Gars. Ouais, on coupe, la tienne on va la napper. Et celle à Teddy, vous la reverrez qu'après. On la nappe, on la fout au frigo. Tout ce qu'on a fait, on met au frigo. On nettoie tout et on va chercher les œufs. Et on fait une vidéo super U après.
Vraiment, on met une version chance. On va rechercher du Didier. Non, comment il s'appelle ton truc? Les œufs. Les œufs d'olivier. On va chercher des œufs d'olivier. Oh là, on en prend une boîte de 6 ou 12, parce qu'après, comme ça, il y en aura pour les darons. Et vas-y, l'équipe, allez, on y va. Olivier. Bon, les passes, le chess. Les passes, les passes. Ah, bon, les gars, on a la Honda là. Ah. Je suis attaqué par un anneau. Dans la CV. Là, je vous fais un petit tour, un petit bout de tour. Tada! Ça tue, mec. Le katana, il me termine. Moi, je dis, est-ce qu'on a besoin d'un volant pour rouler ou pas? Est-ce qu'on peut conduire? Alors, on va aller au Super U comme ça. Ça, cher malade. Non, vraiment, c'est dangereux. Bah, non, sans blague. C'est un gros rond, non? Ah oui, on n'a pas le droit d'aller là. Ah ouais, c'est baisé, faut que tu fasses gauche. Après droite, et puis voilà, tu connais. Hein. Ça me termine. C'est qui ce petit nounours? Ça remonte? Ouais, il a la gueule déphasée, mec. Bah, en même temps, il a pris un petit. Ah, t'as une petite photo? Ouais. Ah, je remets. Hop là. C'est carré, l'équipe. C'est pas là du tout, là tu vas à centre accord. Faut aller à l'église. Olivier. Bon les gars, dans le rétro. Olivier. On voit bien la cam. Attends. Elle a une meilleure gueule quand même, les gars. Ouais. Bon. Mec, elle est méga. Pas plus de ce côté là. Regarde, mais. Je pense que c'est là. Et là, faut mettre le torchon au-dessus et on fait ce quoi là. A few moments later. Non, je vais pas t'en faire un. What? Ah, c'est bon, on enlève le crâne. Mais non! Comment ça se fait? Comment ça? Elle a carrément brûlé. Mec, elle a brûlé. Ça va, ça s'enlève facile. Mais il y a un problème, il perd. Un coup, elle a fait pas cuire, un coup, elle est trop cuite. 2 hours later. Crépite le papier. Oh, ça crépite! Tu connais? Vous connaissez les gars? Bon, c'est pas de la économie quand même. Mais mec, parce que je sens que c'est refroidi, c'est baisé, ok. Ok, ok. Bon mec. Ok. L'assiette, l'assiette. Mais ça donne vraiment pas un effet enroulé. Enfin, quand même mieux. Eh hey. Carrément, je bleu. Merde. Mais moi, on n'a pas coupé les bords. Les gars, il y a quelque chose là. En vrai. Il y a quelque chose de fou, mec. Mm. Je suis heureux. C'est ma première bûche, les gars. Et là, au moins, elle est belle. Faut la napper. Doom, 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 doom. On fait ça sans Maryse, nous, parce que bon, pas de hack. C'est appétissant ou pas là? En vrai les gars, il y a quelque chose. Hein. Bah il faut. Comment je l'ai réussi? Et ça colle mieux le chocolat, tu vois. Ça c'est moins coulant que. Il était froid. Mais oui, mais toi t'as mis trop de beurre, je pense, ou tu l'as fait chauffer. Tout ce que je pense que t'as fait. Non, c'est juste peut-être trop de beurre. Au moins, on a eu. Et oh, la mienne, quand même, elle compte, hein. Oui, elle compte. La gueule de la bûche. Olivier.